Eh, ça dégaine, elle me tue avec ses nouvelles lunettes. Dégaine, elle a du cobu. Faut voir le soleil, mon pote. Tu sors tellement jamais la tête de ton ordi. On dirait que tu vas faire ta vie avec. Je vais l'épouser, je suis sûre. N'importe quoi. Je code, c'est tout. C'est où, si vous ne connaissez rien. C'est ça le futur, vous allez voir. Vu la dégaine de tes lunettes, c'est chaud si c'est ça le futur. Tellement. Je vous ai pas acheté aussi, hein. Eh, on oublie pas. Salut les jeunes. Bonjour madame Mouchibi. Vous avez besoin d'aide? Merci, c'est gentil. Tu diras bonjour à ta maman? Ok, d'accord. Je vous disais à 16h, on a entraîné après. Tu y vas, toi? Non. Eh, les garçons, vous y allez? Non. Oh, ça vous gêne pas de bloquer le passage? Ça dérange personne, là. Bah, bien sûr que si, vous dérangez, les gens peuvent pas passer. Et ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Vous vous croyez chez vous? Ici, c'est les parties communes, donc c'est en commun. Allez, circulez, là. Sinon quoi? Sinon, vous allez avoir affaire à moi. Et ça, vous allez le regretter, ça, je peux vous dire. Allez, du balai, là, dégagez, allez. T'as vu, mais... Et le paquet de gâteaux, c'est pour qui? Et voilà. Quel bâtard. Quoi? Qui? Bah, Garfield, le gardien. Ça va pas bien de dégager comme ça, sérieux. Même pas des malpropres. Grave, mais vous trouvez pas que c'est chelou d'ailleurs? Quoi? Bah, le gardien, il est agressif et tout. Il cache un truc, c'est sûr. Tu crois? Bah oui. Genre, c'est un violent criminel qui va faire exploser la cité? Abuse pas aussi, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il était chelou parce qu'il traînait dans les caves la nuit. Qui fait ça? Ah ouais, elle a raison. Moi aussi, je trouve qu'il descend souvent dans les caves, à la même heure. C'est bizarre. Vous voyez? Ouais, mais bon, Mathis, il a peur de son ombre, s'il te plaît. C'est pas une référence. Abuse pas. Non, moi, je suis sûre que vous êtes parano. C'est juste un vieux gardien relou, c'est tout. Mais parano de quoi? Il se trame un truc, c'est sûr. Je pense qu'ils ont raison, Yanis. Garfield, il est trop chelou. Bien sûr qu'il est chelou, c'est ce que je vous dis depuis le début. Chelou? Et alors? C'est pas un crime d'être chelou? Ouais. On peut pas accuser les gens comme ça sans preuve. Bah, on n'a qu'à trouver une preuve. Il y a tout ce qu'on s'est dit? Bah oui, j'en ai mis un peu plus, même. Si tu restes discret, on est d'accord? Oh bah oui, personne ne sait. À bientôt. Ouais. Oh non, mais ça va pas, non? Qu'est-ce que vous avez à courir comme ça? Jean, Samy, c'est tout. C'est interdit. Vous continuez comme ça, moi je préviens vos parents et je préviens le bailleur. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, regardez, il y a les quatre coins du quartier. C'est quoi ça? C'est une enveloppe. Il y a quoi dedans? Oh, ils sont sûrs. Regardez, je vous avais dit. Parler de quoi avec Garfield? Si, gardien. Quoi, en fait, genre? Ah, le gardien? Parlez mal, vous. Et en quoi ça te concerne? Il a tué des gens. Vous savez, il fait quoi avec les cadavres? Il les met dans sa cave, tout ça. Il les vend, parfois en plusieurs morceaux. Il va où? Au marché. Elle va arrêter de se faire des films, hein. T'en as déjà acheté ou pas? Non, c'est pas à l'œil. Ah oui, c'est bon, sortez, vous êtes drôle. Non, mais plus sérieusement, vous parlez de quoi avec lui? Et plus sérieusement, t'as dit, ça te regarde pas? Mais j'ai posé une question. Allez, retourne jouer au bac à sable, là. Non, j'ai une question, je veux te répondre, vas-y, sors, là.
Je commence à être fatiguée, là. Bon, sérieux, c'est chiant, là. Non, mais attendez, imagine, il se passe quelque chose. Ça fait une heure, Nawel. Faut que je rentre. Moi, je dis qu'il faut agir et vite. Imaginez que quelqu'un est en danger. Et tu veux faire quoi? Y aller solo? C'est n'importe quoi. Faut appeler la police? Sans preuve. Ces gardiens, ils vont pas nous croire. Ouais. Ils vont même pas se déplacer. Il nous faut une preuve. Mais quoi comme preuve? Moi, j'étais sympa, c'est mort. Il va nous tuer, il va enlever nos organes comme des puceurs de la Loire, là. C'est mort. Désolé, mais ma mère, elle arrive dans 30 minutes, les gars, et... Mais ils sont rentrés en série, tu nous parles de ta mère. Oh, mais j'ai pas envie de me faire engueuler, moi. La seule vraie question, c'est on fait quoi de Garfield? Bah, au pire, je vais voir. Mais t'es malade, c'est trop dangereux, tu vas pas tout seul. Yanis et Mamadou, vous allez à trois, les trois garçons. Non, c'est mort, moi je descends pas, c'est n'importe quoi votre truc, je le dis depuis le début. Surtout que c'est trop dangereux, on parle de quelqu'un qui découpe des gens. Vous entendez ce qu'on dit, là? Vous allez y aller, que ça vous plaise ou non. MDR trop. Qu'il est mort, ça y est. C'est vrai que ça fait un moment, là, quand même. Putain, Mathis. Il est mort étouffé. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu tuer. À Skip, c'est une dinguerie de fou de mourir étouffé. J'ai vu ça dans un reportage TV. Faut appeler les secours. Ouais, t'as raison. Non, 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 fallait le sauver. C'est notre ami, c'est notre rôle d'ami d'aller le sauver. Et puis, sans preuve, qui nous croira? Dépêchez-vous. Hein. Allez, on perd pas de temps. Faites là, vous aussi. Bon, eh ben, vous allez nous aider puisque vous êtes là. Hein? Vous trouvez des choses à faire, moi, de quoi vous occuper. Hein, y a plein de trucs à installer, y a plein de trucs à réparer. C'est quoi tous ces cartons ici? Ça, c'est des provisions pour des familles de réfugiés ukrainiens. C'est une association que Garfield a créée. Mais genre, depuis tout à l'heure, on fait tout ce n'est pour rien. Attends, il y a une question. Garfield. C'est pas un trafiquant d'organes qui vend tous ces bachelots au marché? Pas du tout. On s'est complètement gouré, hein.